au cœur de notre portefeuille, le produit principal s'appelle Data Maestro, solution logicielle qui permet finalement à des acteurs, des industriels, de pouvoir optimiser le fonctionnement de leur usine, de leur asset. Donc on se positionne souvent comme étant, on se définit souvent comme étant un peu le Waze de l'industrie. Donc on arrive sur base de toute une série de données qui remontent en temps réel, de pouvoir construire des modèles basés sur de l'intelligence artificielle que pourra faire du pilotage intelligent d'une installation ou du pilotage intelligent d'un asset, d'un équipement, donc d'une machine, et de pouvoir s'assurer qu'à travers le temps, cette machine fonctionne correctement, qu'elle délivre un maximum en termes de capacité, que l'ensemble d'un processus soit contrôlé et donc qu'on puisse faire en sorte qu'on n'ait pas d'inefficacité dans la manière dont une entreprise industrielle fonctionne. Pépite est une pépite pour la simple et bonne raison qu'à la base même de la société, on retrouve un ensemble d'algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été soit compilés, soit développés spécifiquement pour des applications et des problématiques industrielles. Donc on n'a pas vocation de travailler sur 50 secteurs différents. Notre métier, c'est vraiment le secteur de l'industrie. Et l'ensemble de l'innovation tient vraiment dans cette capacité à avoir agrégé tous ces algorithmes dans une plateforme qui est extrêmement simple d'utilisation. On la définit souvent comme étant une plateforme no-code. Donc ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de ce savoir soit porté dans un outil facile à utiliser par des gens qui sont des gens de terrain, qui rencontrent des problèmes très spécifiques, qui sont vraiment des problèmes très hands-on, comme on dit, pour pouvoir avoir de l'impact très rapidement et de pouvoir passer à l'échelle sur plusieurs thématiques et sur plusieurs sites. Un projet dont nous sommes fiers, sur lequel nous avons travaillé assez récemment, est un projet pour un gros acteur du secteur pharmaceutique, pour lequel nous avons fait ce qu'on appelle un proof of concept, travaillant sur la consommation énergétique des unités de traitement de l'air, qui sont les plus gros consommateurs dans ce secteur-là. On en est arrivé à travailler sur de l'optimisation de ces unités-là, et le résultat pour nous est relativement fantastique, parce qu'on en arrive à avoir un gain de 27% au niveau de la consommation énergétique de ces unités-là. Un mécanisme qu'on utilise énormément, c'est celui des tremplins IA, donc financé en partie aussi par l'Agence du numérique, que je remercie au passage, qui est un mécanisme très 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 simple de mise à mettre en œuvre, très très pragmatique, et qui aussi pour nous cadre très très fort avec notre méthodologie, à savoir qu'on a la possibilité de travailler en règle générale sur un nombre relativement large de sujets. Et le tremplin permet justement de cibler une problématique, une thématique en particulier, et de faire ce qu'on appelle vraiment un proof of concept. Donc, les projets d'avenir, ils sont nombreux parce qu'on sait qu'on a le potentiel de pouvoir appliquer notre technologie dans de nombreux secteurs qui sont des secteurs qui ont historiquement et encore aujourd'hui, de par leur nature, un impact relativement significatif sur l'environnement. Et ces gens sont tout à fait conscients qu'il est important et essentiel d'aller sur une trajectoire de décarbonation. Donc le mot, il est lancé, c'est de l'efficience. Et nous, ce qu'on permet de faire, c'est chasser de l'inefficacité pour justement être plus efficace dans la manière de fonctionner.